Alors, donc je m'appelle Mathilde, je suis actrice, auteure, metteuse en scène et musicienne. Je me suis formée d'abord au conservatoire du 20e arrondissement de Paris, avec une licence en art du spectacle en parallèle. Après, je suis rentrée dans l'École nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier et à l'IMEP, qui est une école professionnelle de musique jazz et musique actuelle. Et j'ai la chance de travailler dans tous ces secteurs depuis 10 ans. Des pièces très collectives, des pièces chorales, avec beaucoup de personnages, adeptes de théâtre contemporain, que ce soit Joël Pomera ou Hajdi Mouawad ou Marion Aubert, peut-être dans un registre plus comique. Ce que j'aime surtout, c'est quand le comique et le dramatique sont ensemble. Je trouve qu'il n'y a rien de plus émouvant de rigoler à un enterrement ou de s'écrouler à une scène de mariage. Et je trouve que c'est ça aussi la vie, de se surprendre. Donc c'est ça que j'aime au théâtre. Moi, je vais au théâtre en tant que spectatrice pour qu'il m'arrive un truc. Donc je vais avoir envie qu'il vous arrive des trucs. Moi, j'aime bien faire du sur-mesure et de proposer ma boîte à outils pour tout le monde. Alors, je connais des tas de techniques, Meissner, des techniques de voix, des techniques de texte, des techniques pour appréhender l'espace. Et l'idée, c'est que chacun essaie, prenne ce qui lui parle et qu'il en fasse aussi sa sauce, parce que je trouve que c'est très chouette qu'on puisse tous devenir autonomes. Il y aurait aussi des techniques pour justement être un peu avec soi, de relaxation, de détente, et avec les autres, de jeu, d'interaction. Voilà, ça s'appelle le jeu. Moi, je trouve qu'un ingrédient essentiel, c'est le fun. Pour moi aussi, d'ailleurs, si moi, je kiffe pas, vous kifferez pas. Et le but, c'est qu'on kiffe tous ensemble. Tu vas découvrir une fantastique boîte à outils. Ça va être une zone d'exploration, une zone de jeu, une zone de lâchage, une zone de kiff, une zone de folie. Bref, une zone où il faut venir.